J'écorche une fois de plus mes mains à force d'écrire. La lumière d'une torche m'éclaire et m'empêche de complètement dépérir. J'ai cassé mon écran qui diffusait sans discontinuer des images qui me font m'angoisser, auxquelles mes prunelles restaient engluées. Des images de mort, de corps décharnés qui s'empilent et de dirigeants sans remords qui te regardent marcher sur un fil, guettant ta chute, tendant des pièges pour s'assurer que tes minutes te sont comptées, que tu es incapable d'endurer. Ton cœur est impuré, tout ça te pousse à t'y complaire. Tu vis comme emmuré dans cet enfer sans savoir comment faire pour ne pas finir défiguré. Comment défigure notre sphère, Satan qui vient murmurer des mots doux quand des insultes je prends terre. Je suis pris de nausée, je marche sans but, les scrupules autour de moi, les gens qui viennent croiser ma route. Je vois bien qu'ils ont perdu la foi, certains vont me toiser, d'autres n'hésiteront pas à me montrer du doigt ou chercher la rusée, tenter de me faire avaler leur discours à la loi. Les mêmes sont abusés par des médias, souvent censurés, contrôlés par des esprits aiguisés, sachant qu'à mes barrages, ils l'embraser, veulent m'écraser, user mes nerfs et m'épuiser, ou me paralyser pour frapper et mon tombeau creuser. Quel futur réservons-nous à notre progéniture? Un air impur et une nature qu'on soumet à notre dictature. Plus de verdure, de ciel azur, mais des contrées obscures et les clôtures sont remplacées par des murs d'une s'échappe aucun murmure. Les sutures sur nos corps ont sauté et les blessures des oiseaux de mauvaise augure se déploient de toute leur envergure. Moi je reçois les éclaboussures de sang des proches que le système capture et torture jusqu'à la rupture afin de tirer à lui la couverture. Quel futur réservons-nous à notre progéniture? Un air impur et une nature qu'on soumet à notre dictature. Plus de verdure, de ciel azur, mais des contrées obscures et les clôtures sont remplacés par des murs d'une s'échappe aucun murmure. Les sutures sur nos corps ont sauté et les plaies subures des oiseaux de mauvaise augure se déploient de toute leur envergure. Moi je reçois les éclaboussures de sang des proches que le système capture et torture jusqu'à la rupture afin de tirer à lui la couverture. Notre globe subit une complète inversion d'épaule. Les derniers insouvissent leur lubie en ignorant de mater par-dessus leur épaule. Deviennent des zombies participant à une économie sous contrôle. Ne sont que des brebis égarés qui évoluent dans des noirs jaunes, toutes sortes de phobies et s'abrutissent à l'agneau. Des diamants teintés couleur rubis pour les gosses qu'ils ont foutus en tôle. Forcés au travail, seulement 6 ans, mais confectionne des habits à ta taille cachés sous des marques que tout le monde cautionne. Quand on leur colle pas dans les mains une mitrailleuse, qu'on leur file pas de la colle à sniffer ou de la cam par intraveineuse. Et les pays les plus puissants en quantité fournissent aux nations en conflit des armes de guerre pour qu'elles s'affaiblissent, soient sous leur égide, finissent par demander de l'aide alors que leurs plaines sont à l'île, donc l'emprunt international comme remède. Pendant ce temps, les catastrophes naturelles se succèdent. Un jugement foutisme latent émane de ceux qui ne sont pas sur la corde raide. Nous on provoque avec notre technologie des pluies acides cette triste époque. N'a pas fini de creuser plus mes rides, mais je donne une dimension plus profonde pour que mes sons fluides, telle inondation envahissent les ondes et les esprits guident. Quel futur réservons-nous à notre progéniture? Un air impur et une nature qu'on soumet à notre dictature. Plus de verdure, de ciel azur, mais des contrées obscures et les clôtures sont remplacées par des murs d'une s'échappe aucun murmure. Les sutures sur nos corps ont sauté et les blessures des oiseaux de mauvaise augure se déploient de toute leur envergure. Moi je reçois les éclaboussures de sang des proches que le système capture et torture jusqu'à la rupture afin de tirer à lui la couverture. Quel futur réservons-nous à notre progéniture? Un air impur et une nature qu'on soumet à notre dictature. Plus de verdure, de ciel azur, mais des contrées obscures et les clôtures sont remplacées par des murs d'une s'échappe aucun murmure. Les sutures sur nos corps ont sauté et les blessures des oiseaux de mauvaise augure se déploient de toute leur envergure. Moi je reçois les éclaboussures de sang des proches que le système capture et torture jusqu'à la rupture afin de tirer à lui la couverture.